Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour un petit tuto. Alors, quand je vous dis rapide, c'est même ultra rapide. Je vais prendre le temps de bien vous le faire, mais vraiment, c'est très très rapide, très très facile et bien sûr à la portée de tout le monde. Je vous ai fait donc entre hier et avant-hier le tuto de ce petit junk tout simple, hein, vraiment tranquillou. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, avec vous. Ça a dû me prendre autour d'une heure et demie, 2 heures, je ne sais plus. Mais clairement, vu qu'il y a aussi, il faut compter aussi les créations des deux cartes qui sont là, et puis ensuite de ce qu'on va y mettre dedans, clairement, ça prend bien plus de temps. Mais là, je m'étais dit que j'allais y ajouter des petites choses aujourd'hui avec vous. Et donc, eh ben, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va continuer à utiliser le même bloc, puisque voilà, quitte à utiliser un bloc, on continue. Je vais aussi prendre des pages de livres. Donc là, comme je suis sur quelque chose qui n'est ni ancré, ni vintageisé, je reste sur des pages de livres plutôt claires, ma foi. On va en faire plusieurs, hein, comme ça je les aurai. Ça se fait vraiment très très vite. J'insiste là-dessus. D'accord? Donc on prend une page entière, très simplement. On va la plier. Alors je ne vais pas vous dire à la moitié, mais disons que à la fin, ça fait à peu près un tiers, d'accord? Vous voyez bien? J'espère. J'espère, ma foi. Donc tout de suite, je vais prendre ma colle. Donc Tacky Glue Action, comme toujours. Et je vais venir mettre un filet de colle le long ici de la page. D'accord? Et très simplement, hop, alors j'aurais pu le faire après. Là, j'étais trop rapide. Des fois, je suis trop longue, des fois, je suis trop rapide. Des fois, j'y pense pas, j'oublie. Bon, voilà, c'est pas grave. Et je colle. Aussi simple que ça. D'accord? Du coup, on a fait un peu un tube, quelque part. Allez, on s'en refait deux. C'est facile, c'est rapide, c'est efficace. Donc là, c'est la version où on met la colle après. Ce qui est plus, c'est plus mieux, je pense, quand même. Mais bon, les deux fonctionnent. Vous l'avez vu, la preuve, ça a été fait. Et ça a été rapide. Petit filet de colle. Hop, des familles, pas besoin de plus. Voilà, hein, on en est au même. Pour voir si on arrive. Bon, écoutez, je dois avoir le compas dans l'œil parce que je suis vraiment pile poil pareil. Comme quoi, hein, à force de créater, vous voyez, on arrive à faire des choses comme ça, voilà, sans complication, sans chichi, sans chacha. En gros, en fait, le battement, il est de, allez, il est de moins d'un centimètre, hein, du bout de la page, là, sur celui-là. En fait, on essaye de pas trop perdre de place. Clairement, plus votre page sera petite, plus le résultat sera petit. Donc, je vous invite à prendre sur des pages assez grandes. Vous n'êtes pas obligé de prendre des pages de livre, vous pouvez aussi prendre des pages, des feuilles à motifs. Ensuite, on prend notre petit collage des familles. Je vous ai dit, c'est un tuto méga rapide. Hein, donc là, je pourrais vraiment vous faire un blabla juste pour combler. Et très simplement, on va venir donc prendre la pointe du bas à gauche, pour moi, et venir la placer sur la pointe du haut à droite. Ok? C'est aussi simple que ça. Et ensuite, on va. Alors moi, je me sers de mes doigts, de tous mes doigts, enfin d'une partie de mes doigts. Et ensuite, je viens faire comme ça. Ok? Très simplement. Donc, j'ai choisi de prendre le côté où il y a le plié et le collage. Vous pouvez faire sans, hein, d'accord? Donc, on le fait là, par exemple. Mais on aura toujours de toute façon. Donc, on prend le pli en bas à gauche et on le met sur le pli en bas, en haut, pardon, à droite. Mais de toute façon, voilà, si vous ne l'avez pas d'un côté, vous l'aurez de l'autre. Hein, je vous montre. Là, il est en dessous. Là, il est dessus. Donc, le résultat, il est sommairement le même. Mais voilà, vous voyez, hein, faites à votre sauce. D'accord? Hop. Vous voyez? Sachant qu'on en fait trois à chaque fois. Donc, maintenant, je vais reprendre ma colle et très simplement, je vais venir coller un filet de colle sur la partie droite du haut, puis un filet de colle sur la partie gauche du bas. Et très simplement, hop, on vient coller. Ok. On refait. Un filet de colle partie haute à droite, un filet de colle partie basse à gauche. D'accord? Vous l'aurez compris, je ne l'ai pas mis dans le titre, je ne crois pas. Donc, si c'est dans le titre, vous aurez le droit de mettre en commentaire. Si ce n'est pas dans le titre, vous ne le mettez pas dans les commentaires parce que de toute façon, j'efface. Hier, j'ai dû effacer deux commentaires. D'accord? Donc, ça, c'est parce que les gens, en fait, n'écoutent pas les vidéos. Ils regardent le début, ils vont voir à la fin le résultat et ils mettent un commentaire. Voilà. Parce que des fois, je vous le dis au début, des fois, je vous le dis à la fin. Hein? Voilà. Mais de toute façon, c'est une règle chez moi. S'il n'y a pas dans le titre le nom de la création, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit en commentaire. D'accord? Et en plus, je prends le soin de vous le redire. D'accord? Et quand je ne leur dis pas, là, je laisse passer. Je peux laisser passer. Mais bon, les habitués le savent. Voilà.
Donc, ensuite, donc, vous l'aurez compris, je ne sais plus si je l'ai dit, on est sur un embellissement, mais je, pour l'instant, je ne sais pas s'il sera mis dans le titre. S'il n'est pas dans le titre, on ne le met pas en commentaire. Je vais prendre une petite perfo d'un cercle qui doit faire à peu près... On va prendre une règle, histoire de ne pas dire de bêtises. Une règle où il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nom. Voilà, celle-là. Donc, c'est 2,5 cm. C'est la marque Artemio pour ma part. C'est des perfos que j'avais achetés d'occasion. D'accord ? Et je vais venir perforer comme ça, ici. Donc, vous l'aurez compris, avec une page, on se fait une petite double pochette. D'accord ? Voilà, je fais des deux côtés, c'est plus simple. Bien entendu, on aurait très bien pu... ne faire que la partie de devant. Vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Moi, j'ai envie de faire comme ça. Hop. Et hop. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, en 5 minutes... Allez, 6 minutes, on a créé... Allez, donc ça veut dire qu'en 3 minutes, 2 minutes, vous faites une pochette. Maintenant, on va la décorer un ch'tichetouille. Ça peut être sympa. Donc, évidemment, dans mon cas, je vais rechercher mon bloc d'hier. Je vais juste mesurer... grosso modo la partie donc là ça fait 6,2 logiquement l'autre aussi hein. Bah ouais. Donc on va dire que alors soit on va décorer comme ça, soit on décore la totalité, je sais pas, vous verrez, vous ferez ce que vous voulez. Moi je vais le faire à ma sauce. Où j'ai mis le massicot? Ah il est là, faut y arriver hein, je vous jure. Donc je vais prendre ma page, je vais découper à 5,8. Comme ça. Donc, bien sûr, vous faites en fonction de vos pages. Hein, pas en fonction des miennes. Et puis, très simplement, je vais en faire deux parce que je pense que j'aurai pas assez avec une. D'accord. Voilà. Et ensuite, très simplement, je vais placer... donc. Le morceau que je viens de couper en largeur, j'ai enlevé un 4 à 5 mm. Et je vais le retourner, je le maintiens bien. Je vais juste faire un petit trait au crayon. D'accord? Et je viens le couper. Alors, j'aurais pu faire mon massicot, hein, très clairement. Après ça, j'ai coupé. Ouais, j'ai coupé les pattes. Donc, je vais couper plus. Et puis maintenant, je vais faire le petit poinçon comme ça. Histoire que ça se marie bien. D'accord? Ouais. Alors, évidemment, là, je vous propose une manière de le décorer, mais vous ferez bien comme vous le souhaitez. D'accord? Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de décorer. Hein? Et puis, si vous prenez des pages à motif, vous n'aurez pas besoin de décorer. Ce sera, il y aura déjà le motif. J'ai été coupé trop large. Tant pis, c'est pas grave, hein, ça gênera en rien, mais c'était pas ce que je souhaitais faire initialement. C'est pas très grave. Ou je me suis trompée en coupant, tout simplement. Ça peut m'arriver aussi. Donc, voilà. Je continue, n'est-ce pas? Je vais reprendre celui-ci. Et je vais descendre un peu plus parce que j'ai vraiment été trop... trop haute tout à l'heure. Gaspillage. Donc, je fais mon trait. Je coupe. Je perfore ici. Genre un peu au milieu. Et ensuite, eh ben, on colle. Donc, évidemment, c'est la même page, mais à chaque fois, la partie du motif n'est pas la même. Donc, tout va bien. Vous pouvez prendre des chutes de papier. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, en fait, je complète la déco intérieure et surtout bah, les embellissements intérieurs de mon junk. Donc, j'utilise le même bloc. D'accord? Pour rester dans l'esprit. Voilà. Alors, plein de possibilités s'offrent à nous, bien entendu. Hein. Soit on ne met rien, soit on met que du papier comme ça, un petit bout. Et puis, voilà. Enfin, voilà, quand je vois ce que je vais dire. Donc là, je vais couper droit. Celui-là, je n'ai pas besoin de venir le couper trop. Bon, j'ai eu une petite interruption. Donc, j'ai recoupé un peu parce que c'était trop haut. Je vais juste refaire, comme pour les autres, une petite encoche, mais un peu moins profonde. Et puis, on va coller. Vous voyez, il n'y en aura aucun qui sera de toute façon identique. Et c'est ce qu'il faut, quoi. Après, on peut les faire tous identiques parce qu'on ne va pas tous les utiliser au même endroit. Et tatati, et tatata. Faut que je remette de la colle.
dans mon biberon. Parce que comme il est en train de se vider, il est quasiment à moitié, je pense. Ouais, il est même un peu plus, moins que la moitié. Et du coup, bah, il coule moins bien. Donc, on y est. Alors, hop. Voilà. D'accord? Alors, j'ai des petites chutes. Pour l'instant, je les mets là. Je ne sais pas si je vais m'enquiquiner avec ça ou pas. Je vous dis franchement. Alors, question que je me pose. Est-ce qu'avec cette petite chute qui me reste là... Ah, j'avais un autre morceau là. Je n'y ai pas pensé. Je peux peut-être les... Ouais, on peut peut-être faire ça, tiens. Allez, je vais arrondir. Je remets droit, c'est ça? Et je viens mettre ici. Ça se chevauche, ça peut être sympa, on verra bien le résultat. D'accord. Oh, j'ai le nez qui coule, j'en ai marre. Je passe ma vie à moucher. C'est dingue, hein? Et je viens de me moucher quand j'ai fait pause en plus. Hein. Pour vous dire. Voilà, je les ai fait se chevaucher. Pour l'instant, ça n'a pas un rendu de fou. Mais écoutez, hein. Ici, non, ça rendra rien. Donc, pour l'instant, je vais rester comme ça. Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Bon, par exemple, on peut prendre un peu de dentelle. Ça peut être sympa. Et venir ajouter ici un chouïa de dentelle. Donc, écoutez, je vais pas m'embêter avec ces chutes là aujourd'hui, elles vont aller par terre parce que j'en ai déjà pas mal et pour les utiliser, tout ça. Voilà. Aujourd'hui j'ai pas envie, pas bien, c'est comme ça, mais là c'est vraiment des chutes pas faciles à utiliser non plus. Textile glu, n'est-ce pas? Alors on met un petit peu de colle sur le support, pas besoin d'en mettre une tonne. Ensuite, avec le doigt, on étale. Alors, vous, si vous n'avez pas eu envie d'utiliser votre doigt, vous faites avec ce que vous voulez. Ma foi. Donc, je viens mettre ma petite dentelle des familles comme ça. J'ai été trop loin. Tac. Et tac. D'accord. Ensuite... Je vais couper. Alors, j'ai fait exprès de ne pas mettre droit parce que c'est une dentelle de récup. Donc, il y a encore un petit peu du coton de je ne sais quelle matière. C'est pas ce qui fait le plus joli, clairement. Donc, je découpe ensuite ce qui dépasse. D'accord. Hop, voilà. Alors, écoutez, ensuite, ben, je vais reprendre par exemple les autres. Je pensais que c'était des stickers, mais en fait, ce sont pas. Je pense pas que ce soit des stickers. C'est vraiment des images que j'avais achetées chez Temu et que j'ai utilisées donc dans le junk. Et je vais prendre des petites fées, très simplement. Alors, il y en a, on dirait des garçons, il y en a, on dirait des filles. Il y en a, c'est un peu moins flagrant. Ouais, je sais pas. Donc là, j'aimerais que ce soit plutôt dans les tons rose-violet. Alors, ils ne sont pas tous dans ces tons-là. Il y en a qui ont des cadres autour, d'autres pas. C'est pas les couleurs que je voulais. Ah, tiens, peut-être celle-là. Ah, bah attendez. Ouais, mais c'est pareil. Là, il y a le cadre. Là, il y a... Ah, bah voilà, j'ai trouvé deux avec le cadre et les couleurs qui me plaisent. Parce que je ne voulais pas non plus trop de couleurs différentes de ce qu'il y avait déjà. Donc hop, donc là, et bien très simplement, je reprends ma taquiglu. Je viens coller mes images. Alors, ben après on fait comme on veut. Hein. J'ai mis trop de colle, donc je ne vais pas trop appuyer tout de suite. Je vais attendre un peu. Crocette. Tac. Et voilà, et je les mets comme ça, un petit peu de traviole. Ouais, il est propre celui-là. Ah bah ça a bougé. On évite de bouger, s'il te plaît. D'accord. Voilà, c'est vraiment une déco toute succincte, toute simple. Ok. Concrètement, après, comment je vais faire les autres? Est-ce qu'on les fait différents ou pas? Donc nos pochettes, vous l'aurez compris, elles sont évidemment ici. C'est encore un peu humide parce qu'on a quand même mis pas mal de colle. Hein. Donc, j'ai une première pochette ici.
puis la seconde là. Ça reste des petites pochettes, bien entendu. D'accord? C'est fait exprès, hein. On n'est pas obligé d'avoir des grosses choses à mettre dans nos créas. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, celle-ci, j'ai mis juste un morceau de papier et deux petites images. Ici, je suis partie en très chargée, c'est-à-dire que j'ai mis de la dentelle des deux côtés, du moins dentelle et là une chute de je ne sais quoi, du papier et des images. Voyez, on s'éclate. Et celle-ci, bah, écoutez, je l'ai laissée telle qu'elle. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais fait sans vous. Et puis là, ces deux-là, bah, comment qu'on va se les faire? Tiens. Celle-là, en plus, oui, j'ai mis deux morceaux. Vous voyez, on peut vraiment s'éclater, enfin, faire plein de choses différentes. Tiens, bah, celle-là, par exemple, on pourrait mettre en bas. Bon, c'est une idée. Allez, hop. Textile glue. Alors, je ne veux pas trop d'épaisseur dans mon cas. OK? Parce que j'en ai pas trop mis sur ma créa et dans ma créa. Et j'aimerais pas qu'il y en ait trop. Donc, ensuite, on met la petite dentelle de récup ici. Qui va bien. On coupe ce qui dépasse. Voilà, vous avez vu, c'est super facile. En quelques minutes, on en fait plein. Voilà, moi, je trouve ça chouette. Regardez, oh, c'est un truc tout bêta. On se reprend deux petites images sympathiques. Hop, j'en ai vu deux violettes, là. Une ci, une ça. Voilà, oh, c'est peut-être un peu foncé, là. Ouais, c'est... Je ne sais pas si c'est mieux. Mais ça me plaît mieux. Voilà. Alors, j'ai mis de la dentelle, on n'est pas obligé de mettre de la dentelle en tissu, on peut mettre de la dentelle de papier. Hein. Vous pouvez faire vos propres dentelles avec vos perfos, vos dies de bordure et que sais-je. N'hésitez pas d'ailleurs, puisque on est très nombreux à avoir acheté tous les dies de bordure de chez Action. Et je suis sûre que ben, vous en servez pas plus que ça. Moi, je vous fais régulièrement des tutos avec, hein, parce que je m'en sers quand même pas mal. Ou alors, je fais des tutos, je vous dis, tiens, prenez-les aussi. C'est vrai, ça arrive aussi. Mais voilà quoi, il y a moyen. Ok. Après, on peut rajouter un sentiment, on peut rajouter plein de choses, quoi. Enfin, voilà. OK. Donc, je vais faire pareil ici. Je vais reprendre des petites images. Alors, les cadres. Ah, c'est du violet, là. Je voulais violet et rose. Mais après, il n'y a pas trop de rose. Alors, tac et tac et tac. Après, c'est trop vert, tout ça. Tu tiens. Ça, c'est un cadre. C'est pas facile, facile de trouver les couleurs qu'on veut. Allez, je vais prendre ces deux-là. Tac, ça, je rangerai après. Conclusion. Ça y est, ça recoince. Oh, pétard. Ici. Alors, dites-moi tout. Quel temps chez vous? Et tout ça et tout ça. Alors, pour perso, bah, on a cru qu'on allait avoir de la pluie. Alors, pas du tout. Ce matin, il faisait grisouille. Mais très vite, bah, il a fait beau finalement. Avec même un beau soleil. En termes de température. Alors, j'étais pas chez moi. Peut-être que chez moi, il faisait pas si beau. Je sais pas. J'étais pas dans ma ville. J'étais même assez loin. Mais bon, je sais pas. En tout cas, il faisait beau. En termes de température, on était bien. On a même eu très chaud. Enfin, surtout dans la voiture, d'ailleurs. Et donc, voilà. Là, c'est de nouveau nuageux. Mais tranquille, il y a un petit vent. Donc, voilà. Écoutez, ça nous permet de passer des bonnes nuits. Tant qu'on a un peu de soleil et qu'il ne pleut pas, ça me va. Donc, réfléchissons. Attendez, parce qu'il faut que je me mouche. Faut que j'hydrate mes lèvres, je commence à avoir ce qu'on appelle un bouton de fièvre, donc un bouton d'herpès, vous l'aurez compris. Quand je commence, non, je l'ai déjà depuis plusieurs jours. Sauf que pour pas qu'il éclate, je l'hydrate à mort. J'utilise pas les trucs de pharmacie, machin. J'ai toujours fait comme ça et ça se passe bien. Voilà, c'est pas pire. En tout cas, faut que je me mouche. Allez, je vous reprends. Ensuite, donc j'ai fait une petite déco succincte, pas toujours la même. Des fois très chargées, des fois un peu moins et des fois rien. Voilà, je verrai si je change d'avis ou pas. Je vais reprendre mon bloc. D'accord, je vais choisir la page qui m'intéresse. Alors clairement, je vais prendre des pages plutôt... Allez, j'ai pas mis de marron, je vais en mettre un peu, pas trop. Comme ça. Celle-là. Et on va découper
On avait dit que ça mesurait combien cette histoire? Donc on était à 6,4 à peu près. Donc on va découper à 5,8. Oui, madame n'arrête pas de se barrer. Je sais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave. On la rend. 5,8. Hop. 5,8. Alors, attendez, attendez. Oh, je vois rien, c'est chiant. Ça sonne 7 heures déjà. En ce moment, vous avez les vidéos tard, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'été. On compose avec le temps qu'on a. Ok. Donc, ici, pareil, je vais en faire d'autres. 5,8. C'est clairement moins chabi, hein, cette histoire. 5,8 et 5,8. Voilà, on garde les petites chutes, on les met dans le bloc. Et on fait pareil avec la dernière page. Voilà, ça, je rajoute. Je remets dans mon bloc pour l'instant. Hop. Ensuite, on vérifie que ça rentre. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Alors, voyons ça. Très bien, d'accord. Allez, on a mis du marron, donc on va mettre du rose aussi. Voilà, quoi. Tac. Ok. En termes de hauteur, on va se faire une petite marque au crayon à papier. Alors, moi, je veux que ça dépasse un chouïa, mais d'un autre côté, pas trop. Et est-ce que ça est au bon endroit ou pas? Oh, presque. Ouais, peu de choses près. C'est au même endroit. Donc, je vais les passer en même temps. Tac. Voilà. On va faire pareil avec les autres. Du coup, je vais mesurer. Je suis à pas tout à fait 12. Donc, on y va. On va les prendre par deux. Allez. 12. Alors, tout le monde rentre sans toquer. Là, ils ont cru que c'était un self, les enfants, là. Non, mais sérieusement. Ah, je vous jure. Bref, 12. Donc, je garde la partie qui m'intéresse. Ok. Et j'ai celle-ci qui est sympa aussi. Alors, j'ai des petites chutes comme ça. Évidemment, je trouverai le moyen de les utiliser parce que c'est des chutes très régulières. D'accord? Donc... Est-ce que ça m'en fait assez pour tout le monde? Je ne suis même pas sûre. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comment ça, 9? Je me suis trompée de compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, c'est couillon quand même. Bon, bah. Ok, on va en faire. Bon, bref, on s'en fout. Je ferai ça plus tard. Ensuite, juste pour vous montrer. Je vais en prendre une marron et une rose sympa. Voilà. La marron, la rose. Ça, ouais, je n'ai que 9. Je suis marron. Je vois. Bref. Donc, vous l'aurez compris, ce sont des petits tags. À l'arrière, on écrit, on colle, on agrafe, on trombonne ce que l'on veut. Comment qu'on va les faire, nos petits tags Tiens, bah, regardez. J'ai trouvé. Je transpire. Je vais reprendre mes chutes. Justement, je vous ai dit, on met ça dans le bloc, là. Vous savez, celle-ci. Et on va venir tout simplement... Alors, on va prendre les couleurs qui tranchent. OK. On va couper comme ça. Donc, pour celui-ci. Là, bah, écoutez, on va prendre un motif à marron. Ouh là là, du papier à motif marron. On va y arriver. Tac.
Je les plie en deux. Voilà. Très simplement. Je voudrais ma perfo. Ah, je l'ai. Je sais pas si elle a des trucs dedans, elle, celle-là. Je sais pas s'il y en a dedans. Je ne me rappelle plus si j'ai déjà utilisé. Oui, il y en a. Je ne me rappelais pas si j'avais déjà utilisé celle-là. Très simplement, donc vous avez vu, j'ai pris dans mes chutes. Hop, je viens positionner ici. Voilà. Allez. Alors, vous pouvez coller un petit peu avant si vous le souhaitez. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, mais je vais le faire. Oh. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. D'avis. C'est juste un chouïa histoire de positionner, en fait. Tac. Et ensuite, hop. Voilà. J'en mets deux, comme ça. On peut même y ajouter, si on le souhaite, du tissu. Voilà. Et ensuite, eh ben, très simplement, nos petits tacs qu'on vient de créer, eh ben, on vient les mettre comme ça, là, dans notre... Ouais, ça aurait été bien d'en faire plus que vous, je vous montre, parce qu'après, je voulais vous montrer dans le junk, quand même, comment les positionner. Vous voyez ce que je vais dire. Donc, allez, hop, on prend deux morceaux. Tiens, là, on va prendre la... Tac. On plie. On plie. Juste une lichette de colle histoire de positionner que ce soit plus facile. Mais c'est pas obligatoire. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est fait. Faut que je remette de la colle. Je vous l'ai dit deux fois, je crois, depuis le début de la vidéo. Faut que j'y pense. Voilà, et pareil. Voilà, donc concrètement, ensuite, ben, on vient les mettre dans nos pochettes. Donc là, je vais mettre une rose, enfin, une où il y a un peu plus de rose, histoire que ça ressorte bien. Alors après, je n'ai mesuré qu'une fois, sachant que même si, comme je vous l'avais dit, sans le faire exprès, finalement, je fais à peu près le même pliage, et ce qui fait que je me retrouve avec des pochettes à peu près de la même taille. Mais bon, à 1 ou 2 mm près, ça peut ne pas si bien fonctionner que ça, quoi. Mais là, ça fonctionne. D'accord? Donc, je pense que je vais ajouter une petite fleur ici sur mes agrafes. J'en ai sous la main. Et vous voyez, celui-là, c'était pile poil. Là, vous voyez, donc on a rajouté nos petits tags comme ça. Je vous montre. Hein. Alors, dites-moi tout. Voilà, je vous disais quel temps vous avez eu aujourd'hui. Nous, bah, écoutez, un temps, ça va. On peut considérer un temps estival puisqu'il fait bon, qu'on n'a pas besoin de mettre un gilet ou une veste en jean, qu'on était en claquette, enfin en tongue. Et claquette, tongue, appelez ça comme vous voulez d'ailleurs. Hein. Comme vous le dites toujours, chacun voit midi à sa porte. Ouais, je vais quand même rajouter des petites fleurs que... Voilà quoi. Je vais prendre les petites fleurs de chez Temu. Évidemment, vous pouvez prendre des fleurs que vous faites maison. Les fleurs de chez Action. Petit quanti. Ok. Pareil, on va jouer avec les couleurs. Bien sûr. Donc là, par exemple. Et là, oh, bah, j'ai perdu. Il faut que je le remette. Donc. Voilà. On prend la colle. Textile glue comme d'hab, une lichette. Par contre, je veux voir quand même mes agrafes, hein, donc je vais pas coller totalement sur les agrafes. D'accord, hop, hop, là c'est parti.
En voilà une, en voilà deux. Si vous ne voulez pas vous enquiquiner, vous prenez de la colle chaude, évidemment. Donc, vous avez vu, la pochette en elle-même, elle prend 2 minutes à faire. J'insiste, on ne met pas le mot pochette ou embellissement dans le commentaire. Si moi, je ne l'ai pas mis en titre. Je ne sais pas encore ce que je mettrai. D'ailleurs, vous allez avoir encore une fois très tard cette petite vidéo. Parce que c'est l'été, c'est comme ça. D'accord ? Donc voilà, je vous dis, un petit sentiment, ça pourrait être sympa quand même. Mais là, pour maintenant, là tout de suite, voilà, je ne vais pas le faire. Je continue, je vous montre. Oui, elle s'est barrée. Si j'en mettais un chouïa plus. Allez, ce coup-ci, je vais mettre dessus quand même. Là aussi, je pense que j'ai fait peut-être un peu la radine. J'en remets. Là, ça tient. C'est bon, je ferme. Les cols sont fermés. Je les pose ici. Donc, je prends mon... Non, mais les filles, vous n'allez pas m'enquiquiner aujourd'hui, les fleurs, là. Allez, on va les laisser prendre. En attendant, je vais ouvrir le junk, n'est-ce pas? Ok. Je fais un peu de rangement. Oui, je le fais avec vous, écoutez. Hein, pourquoi pas, après tout. Donc, j'ai... c'est la tenue? Bah oui, elles ont tenu à l'envers. Donc, j'en ai fait plus et je vais en faire d'autres, mais j'en mettrai pas ça. Je ne les mettrai pas toutes. Je les mettrai pas tous là. Donc, comment on peut les utiliser? Très simplement, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, là, peut-être pas, mais je peux parfaitement venir coller ici sur une des pochettes que j'ai créées hier avec vous. J'ai bien dit coller, d'accord? Je peux aussi, évidemment, l'insérer dans une de mes pochettes comme ça. Mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais tout simplement venir coller. Et je vais pas coller la totalité. Je vais coller en U, qui sera pas un vrai U, sur mes pochettes ici. D'accord, je vous montre. Là, sur les... Oh non, tu vas pas me faire ce coup-là. C'est chiant. Aïe. Je réfléchissais. Je vais prendre la... T'inquiète quand même. Donc, je mets un filet de colle ici, sur les côtés, les trois côtés. Voilà. Comme ça. Donc, du coup, comme je n'ai pas collé la totalité, je crée une troisième pochette, d'accord? Et je viens coller sur ma page ici. Ça sera ma première utilisation. Je colle. Mais en créant une troisième pochette à l'arrière que je ne vais pas utiliser tout de suite. Parce que ce n'est pas sec. Mais voyez, hop, je peux du coup rajouter un troisième tag. Et je trouve ça plutôt très sympa. Et ensuite, je vais aller un peu plus loin dans mon truc, machin chose. Et ensuite, je vais venir ajouter ma pochette. Ah oui, j'avais de la dentelle sur celle-ci. Je vais venir l'ajouter ici. Et très simplement, je ne vais pas la coller. Non. Je vais prendre un petit trombone sympathique. J'ai pas ouvert mes trombones de chez Action. Ok, c'est pas grave, qu'à ça me tienne. Je vais ouvrir un de là. Oh, ils sont petits ceux-là. Hop. J'ai pas de ciseaux sous la main. On en prend un. Je mets par terre parce que je balaie à chaque fois que je m'en vais. Ok. Je suis sur les rangements de ces petits ustensiles-là, justement, trombone, agrafe, et puis quoi d'autre, attache parisienne, etc. Elle est un peu grande, vous me direz, mais bon. Et donc là, celle-ci, je vais venir... Elle est un peu grande, mais d'un autre côté, il fallait quelque chose d'épais puisque j'ai de la dentelle. Et très simplement, celle-ci, je vais venir là, trombonner. Voilà, à ma façon, à ma sauce. Alors, est-ce que ça tient bien? Oui, très bien. Voilà. Ok? Donc, voilà. Après, vous les utilisez, évidemment, comme bon vous semble. On est d'accord? Donc, je vais continuer les autres le temps que la vidéo charge. Et puis, on se retrouve demain pour d'autres aventures. Je vous embrasse.